Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le magazine qui permet ou mieux qu'on ou droit. C'est la plus grande préoccupation du monde entier, la protection de l'environnement. Comment pour préserver les ressources naturelles et l'écosystème pour garantir l'avenir durable pour les générations futures. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la police de l'environnement. Comment se faire pour sanctionner Ben Dimoun qui commet infraction contre l'environnement? Nous avons invité Laure Le Plateau et le sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras de la police de l'environnement et qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir, SAI. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Alors, sub-inspecteur Gaëtan Lebras, nous vous guettez avec vous au cours de cette émission-là. Comment est-ce que la police de l'environnement y fonctionnait? Comment est-ce qu'il sensibilise le public pour ne pas polluer la nature? Donc, nous vous guettez tout ça là avec vous pendant cette émission-là. Peut-être pour commencer, quelle est la mission de la police de l'environnement? Bon, pour commencer, il faut dire quand la police de l'environnement a débuté à Maurice. La police de l'environnement fait une setup depuis l'année 2000. Et aussi, la police de l'environnement, sa unité-là, fait inclure dans la loi de Environment Protection Act de 2002, que, section 9, qui dit qu'il besoin d'une la police de l'environnement. Mm-hmm. Et la police de l'environnement, y compris de ben policier, qui est le commissaire de police, une déléguée pour mettre dans la police de l'environnement et une de nous tout ben pouvoir qui, comme ben authorized officers, sous cette loi-là, à même titre que ben les autres enforcing agencies qui gagnent droit pour ben action sous la loi de la police de l'Environment Protection Act. Et nous aussi, nous donne le directeur de l'environnement un soutien et nous donne aussi, et nous avons aussi une police de l'environnement qui est située pas à Saint-Maurice, nous dans Rodrigue aussi. Voilà, donc nous pouvons être un petit guide avec vous justement, comment vous devez faire ce travail de protection de l'environnement, surtout comment vous devez faire pour que le public respecte la nature, respecte l'environnement. Nous connaissons que pendant Covid, ça c'est un exemple clair, pendant Covid, nous trouvons ça, qui, la nature qui reprend ce droit, c'est un mot qui bien servi. C'est parce qu'ils nous trouvaient effectivement quand humains, vous n'êtes pas pollués, vous êtes un bon comportement envers l'environnement. Hein, donc, comment ça capable améliorer, comment ça capable vin bénéfique pour la nature. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, sub-inspecteur Lebras, combien de contraventions la police de l'environnement a dressé? Si vous pouvez dire où, à ce jour, c'est-à-dire nous prenons depuis janvier jusqu'à, disons, hier, la police de l'environnement nous prend presque 600 contraventions. D'accord. C'est énorme. Donc, juste 4 mois, 600 contraventions. Alors, 600 contraventions, et pour plusieurs délits qui ont trait à l'environnement. Et qui ben du monde pas respecté. Nous, la police de l'environnement, nous là pour nous qui nous fait de sorte que la personne respectée et nous sévir aussi si ben du monde pas fin respecté avec ben contravention et ben pénalité qu'ils vient payer la cour. Alors, quels sont les types de contraventions qu'ils ont fin émettent? Bon, nous avons aussi ben comment nous dire illégal littering et c'est une mentalité qui m'ont pensé du monde bizarre. Comment changer. Il y a un changement, mais il y a du monde encore, l'esprit encore, comment il finit dans une affaire, il prend un bout de papier, il vous jette, ou soit il finit fume sa cigarette, il prend cigarette, mégot cigarette là, il peut jeter n'importe où, quand il était, il peut jeter. Ça, nous pouvons gagner une contravention, si la police peut trouver, nous pouvons prendre, nous pouvons sévir contre lui. Donc, un démon qui jette ce mégot, c'est important qu'il vous rappelle nous parce que des fois, peut-être, nous pas réaliser à quel point nous peut polluer. Un démon qui peut jeter un mégot cigarette, les considérer comment une infraction à la protection de l'environnement. C'est sous la loi de la
Environment Protection Act et aussi les tomes sous le Local Government Act. Il n'y a pas de qui dit moins pas qu'un droit d'être aucun qui te sauve, qui dit pas PCAV, qui te bout de papier, canne la bière, n'importe quoi, qui vous êtes ça, sur un lieu, dans un lieu public, il y a une offense. D'accord. Donc, c'est ce que je t'appelle le illegal littering. Littering. Donc, il passe à ban déchets, enfin, le cas, un papier, ou bien, ça, je le dis, c'est bien quelque chose qui nous connaît. Oui. Mais le mégot cigarette aussi, attention, il est considéré comme une action illégale. Oui. Et là, vous êtes mégot cigarette, et là, qui finit sur papier, sur dalle pourri, il crase au papier dalle pourri, il jette-le. Même s'il y a une poubelle quelque part plus loin, il n'y a pas fait un effort pour être là-bas. Et si, moi, mon conseil Benjamin, si je ne peux trouver une poubelle dans les parages, je garde avec ça. Je tiens un sac, je tiens un poche, je capable garde les. Et il y a des gens qui dans une voiture, dans un véhicule, je peux rouler, je peux prendre quelque chose, je jette par la fenêtre. Comme il faut, je suis capable de trouver ça. Dans le bus, ou dans l'auto, pas derrière, pas, ou un bus devant, ou un papier, une sortie, une tombe par terre. Oui. D'accord. Mais c'est vilain. Un pays comme Maurice, qui peut accueillir des millions de touristes. Ça, c'est le illegal littering. Ensuite, qui mènent les autres contraventions qu'ils ont dressées, SA et le Bras? Oui, il y en a aussi une motocyclette qui peut servir ben l'échappement trafiqué, ou soit ben l'échappement qui n'est pas efficient, qui est en mauvais état. Alors, et... qu'est-ce que ça veut dire un échappement, comme on peut dire nous, qui a fait du bruit qui est incommodant, surtout, et ça nous peut causer une pollution sonore. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous ça, s'il vous plaît, SAI? Oui, une motocyclette, quand il y a une ville Maurice, quand il y a une design, l'ingénieur qui fait la moto, il y a un monde malin, il est wise. Il connaît qu'il peut faire un véhicule, il n'est pas pour faire lui, pour déranger sur l'environnement. Mais il y a ben du monde qui est un peu plus malin. Ils ont pour faire dérange ça l'équipement là, ça l'échappement là, ça peut faire livre fait plus son, plus de tapage et pour attirer plus regard vers autres. Alors, je te mets ben pétarade dedans qui ça fait ça vraiment ça dérange tout le monde. C'est aussi on a disons au permis d'un quartier résidentiel, il y a ben vieux du monde que tout, soit ben des enfants qui peuvent étudier tout en étant de motocyclette passer par. Alors, nous comment nous trouvons ça ben motocyclette là, nous puis arrêter d'autres. Et nous payer service de ben contravention. Donc ça aussi, donc c'est très important de le savoir. Donc ben échappement qui vous est modifié, c'est illégal et la police de l'environnement vous prend ben sanction. D'ailleurs, vous dites déjà prendre ben contravention et vous dites nous combien c'est-il prend depuis janvier, SA et le Bras? Alors en tout mondial, tout ben contravention c'est 600 contraventions. Alors, oui, ça on dit nous 600. Mais pour vous dire, ça même motocyclette là, c'était pas facile pour chez eux, pour bien eux. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Allô? Mais c'est dangereux. D'accord? Mais comment, c'est moi, comment nous pour bien eux? Alors, nous prenons une dizaine de contraventions à ce jour, dans ce cas-là. Donc, vous faites ben. Vous faites ben roadblock, ben road traffic contravention, nous prenons autant de contraventions. D'accord. Ensuite. Et puis, nous avons aussi ben illegal dumping, comme nous disons dans Maurice, illegal dumping. Et dans le monde, comment dire, quand on finit un exemple de construire une maison, il y a un débris de construction, je paye un camion, je dis pas, je vais finir ça, je dis, prends mon déchet, allez ça. Alors, c'est le chauffeur du camion, il bien connaît que ça, allez ça. Nous avons un site. Que nous capables à mettre nous ben débris de construction comme par exemple dans ça centre de la chaumière que ben camion capable à déposer ben débris de construction nous pas et ce qui nous remarqué depuis des années qui m'ont là quelques années qui m'ont de l'environnement nous remarqué qui ben chauffait camion c'était un peu je pas un allégor à l'environnement je passais surtout un terrain vague. Je dépose ça débris de construction là, sur place, et puis je te retourne. Alors, au lieu de faire des kilomètres pour aller au centre de la chaumière, je préfère faire moins de kilomètres.
je ne sais débris là, je vais venir sur répondre l'autre en cause de pas jeter. Alors, okay. Ça, c'est une offense qui est bien grave. Right? Et n'importe qui s'en a, qui nous trouve autre dépose ben débris de construction, et n'a pas ben matelas, sofa, ben household furniture, comme on disait, ben meubles usagés. Alors, n'importe qui matériaux qu'ils ont jeté, qu'ils n'ont pas payé service, ils ont venu jeter ça dans un endroit qui n'est pas supposé jeter d'après la loi. Ça, nous prenons une contravention. Si nous gagnons, nous prenons une contravention, nous gagnons une fixe pénalité de 25 000 roupies. Donc, qui est-ce qui peut payer sa contravention là? C'est le chauffeur de camion ou c'est ça, Jimoun qui paye? Si Jimoun là, s'il nous jette, sa chauffeur de camion là, s'il nous jette ça, sans aucune instruction d'autre personne, c'est lui qui vient payer. Okay. Alors, si nous récit prouver que l'autre personne qui finit d'y aller vient jette ça, là, ça l'autre personne là pour gagner sa contravention de causing. Any waste to be deposited at the place over any waste disposal site. Alors, mon rappel, ben, téléspectateur qui a aujourd'hui nous a invité est le sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras de la police de l'environnement, because aujourd'hui, sa instance, il y a une institution pour protéger l'environnement et surtout pour sanctionner ben Dimoun qui commettent ben infraction contre l'environnement pour faire respecter l'environnement. Donc ça c'est par rapport à Undianu illegal dumping. Donc oui. Encore une fois, les bons qui vous rappellent ça, qui n'ont pas gain droit zet n'importe qui saleté n'importe où quand nous les. Une cause de dumping. Oui. Et nous cause littering aussi. Littering aussi nous n'a. Comme vous dites, littering c'est tout ben petit bout d'affaires qui nous peut zeter, comme un petit bout de papier, ben fruits qui nous mangeait aussi qui nous zeter. D'une place qui n'a pas besoin, nous avons une contravention qui prend depuis 3 000 à 5 000 roupies, dépendant de la place que nous payons. D'accord. Donc, ça, c'est bon qu'ils nous connaissent ça aussi. Oui. Et là, du monde qui n'a la place, je n'ai le fêté, comme nous trouvons dans Maurice, nous meurs, c'est qui, quand il y a une fête, dans la plage, dans le détail de nous. Et qui est très bien. Ça, c'est très bien. Nous encourageons du monde à amuser, mais. Ou à miser, pas au détriment des autres. Ouais. Ou pas à miser, qui ou elle dérange les autres. Là, vous trouvez que quand du monde finit à miser, je mettre une natte, je n'ai en bas, je manger, boire, quand je lever, tous les autres saletés, les autres quittent sur place. Ah non. Alors, ça aussi, c'est une offense. Peut-être là aussi, Liban nous rappelle, le public aussi, qui des fois, nous avons sa tendance à croire, n'est pas vrai du tout. Nous avons tendance à croire qu'il y a une clean qui paye pour ça, c'est pour passeport derrière nous, après c'est pour venir nettoyer. Oui. Alors ce qui c'est un mindset qui est révolu, oui. En fait. Mais c'est, au fait, quand tout le monde peut agir comme ça, ça nous a pensé dans la case qu'on peut faire. Si il connaît le monde pour basse-balier après, vous êtes en place. Alors c'est un mindset qui a besoin de changer. Et pour un pays plus propre, quand nous perdons la mer, et moi je connais, et ben, mon entourage, quand nous perdons sortir, toujours nous portons un sac poubelle, tout saleté qui nous est là, puis nous ramasser, saleté les autres, tout nous mettre dans notre poubelle. Après, nous le mettons dans bin. Donc voilà, ça c'est par rapport à Undianu, là, le illegal littering. Qui ben les autres contraventions encore je te prends à la police de l'environnement, sub-inspecteur Lebras? Une contravention qui, depuis l'année 1er octobre 2022, excusez-moi, nous prends, c'est concernant le tapage. Ça, c'est un autre type de pollution, ça. Pour une bonne cause, tu es là, quand tu es dans la plage, ou soit dans un campement, tu viens de défouler. Mais il n'y a pas pensé, il y a des gens à côté. Soit il y a des gens qui viennent dans l'autre campement à côté qui viennent reposer, ou sinon les autres personnes qui habitent la région. On ne peut pas dire juste côté de la plage, hein? On ne peut pas dire juste domaine région côtière. Il y en a aussi domaine village, domaine la ville, côté il y a des gens qui font fête. Ou soit je peux manger, boire dans une place et puis faire tapage, qui ça dérange le voisinage. Donc, dans les quartiers résidentiels? Oui, dans les quartiers résidentiels. Alors, dans Maurice, il n'y a pas de juste résidentiel, n'importe que tu étais ou pas gain droit, fais ta passe qui dérange au prochain. D'accord.
Alors, ce qui, quand, explique-nous ça un petit peu plus en détail, ça et le bras. Ça veut dire quoi, nous pas un droit à faire tapas, dérange nos prochains. Est-ce qui ENA a, par exemple, une limite de décibels? Comment est-ce qu'une personne vous connaît? Moi, j'ai besoin de la musique. Comment vous connaît qui ça la musique là, elle est trop forte et qui les dérange du monde? Et surtout, nous connaît qu'il y a la loi qui dit nous avons le droit de faire, nous avons le droit de mettre la musique jusqu'à 10 heures le soir, c'est ça? Est-ce ça et le bras? Non, au fait, ça TM mettre la musique nous gain, et non, jusqu'à 10 heures là, ça. Les pas c'est un good parce que moi, je connais longtemps qu'on est fait d'une fête, d'un mariage dans la salle. Même maintenant, même dans la salle, je règlement là-bas, disais je teint. C'est ça. Alors, mentalité du monde peut penser que je gagne droit à faire ta part jusqu'à 10 heures. Mais la loi, dans la loi, pas dire ça. La loi, pas cause l'eau l'air, pas dire où gagne droit à faire ta part telle heure à telle heure. Mais simplement, il y a des regulations, il y a le standard. Standard for Noise, Regulation 2022, et le Control of Noise, Regulation 2022. Alors, pour le Standard of Noise, là-dedans, l'idée comme ça, il y a bien l'air, une limite de décibels que vous avez fait. Il y a un droit, c'est-à-dire, vous avez respecté, c'est-à-dire, entre 7h du matin à 7h à 9h du soir. Ça, c'est ben, pour un ben type industriel, ben noise industriel. Ben, l'usine, tout ça. Ça, l'usine, entre 7h du matin et 9h du soir, l'usine, il ne fallait pas dépasser 60 décibels. Entre 9h du soir, 7h du matin, il ne fallait pas dépasser 55. Ça, c'est concernant ben industriel. Mais pour le voisinage, entre 7h du matin à 6h du soir, l'usine, 60 décibels. Entre 6h du soir et 9h du soir, l'usine, 55 décibels. Et entre 9h du soir et 7h du matin, l'usine, 50 décibels. Et ça, pour nous guider 20 décibels, ce n'est pas la police qui servit ça. Il y a un noise level meter. Un appareil, pour connaître combien de décibels un du monde peut faire. Soit une nuisance, une nuisance que tout. C'est ça, le ministère de la Santé, le Health Engineering Unit, c'est bien ingénieur du ministère. C'est eux qui ont droit, d'après la loi, servir ça, noise level meter. Alors, si nous parlons d'après ça, c'est bien là que vous nous servir ça. Et si nous, la police, nous travaille d'après le control of noise. Control of noise, dire comme ça, tout son qui nous tendait, as perceived by the ears. Ça veut dire que c'est nos oreilles pétantes. Au fait, une complainte qui nous gagnait, un jour, nous téléphonait, une hotline. Laisse-moi souligner ça. La police de l'environnement, une hotline, 210-51-51 et 210-52-52. Une hotline qui est opérationnelle. C'est 24/7, ça? Et les 9h à 4h? Non, pas 9h à 4h. C'est-à-dire les de 7h à 23h. Ah, d'accord. C'est bon et de savoir. Dans le week-end, c'est 24/7. Alors, nous recevons une plainte là-bas. Je me disais, nous pouvons recevoir une plainte de tapage. Je me fais une fête. Je me disais, je peux faire tapage. Ça dérange. La police de l'environnement et aussi les polices des stations, de tout mandaté à agir sous cette loi-là. Ce n'est pas seulement la police de l'environnement, mais tous les policiers de l'île sont capables de sévir dans sa même condition-là. Situation. Alors, quand nous parlons là-bas, nous pouvons écouter vraiment si ça bruit là, quelle sorte de bruit c'est. Quand je vous dis, tu n'as pas appelé la musique. Alors, nous allons écouter, nous attendons, c'est pas vrai, la musique là, tu peux jouer faux. Et aussi, nous avons le code de sa personne qui peut jouer la musique là, elle nous informe. Comment vous faites ce travail là? Alors, là, dans ce que vous là, il y a deux questions. Première question, quand Ndiboune peut faire fête, il connaît la police de l'environnement, peut venir, ou bien la police de van station, disons, il vient devant sur la porte. Première affaire qu'il peut faire, il peut faire la musique. Oui. Comment vous faites ça? Si la musique pèse est faux, s'il y a une nuisance, ça veut dire depuis de loin, nous entendons la musique là. OK. Ouais. Quand nous pouvons venir, au fur et à mesure qu'ils nous peuvent approcher, son là peut augmenter. D'accord. Naturellement, nous pouvons trouver qu'à certaines heures du soir, dans la soirée, même dans la journée aussi, comme on dit, vous êtes là, vous avez l'air qui n'a pas le droit de faire. Nous avons l'air pour dire qu'il a le droit de faire ta part ou soit non. Mais si ça peut déranger une personne, si la personne peut déranger, so far, so good.
Mais si ça peut déranger une personne, là, il y a une offense. D'accord. Il peut causer nuisance à la personne concernée. Alors là, nous, dans le Code du Monde, là, nous pouvons dire où tu peux jouer la musique faux, ou soit où la musique encore peut jouer faux, ou bien baisse-lui, et ça, ou fin commettre une offense. D'accord. Donc, allez, je te donner un premier warning, et si jamais ça dit qu'on n'a pas respecté sa warning, là, est-ce que la première fois qu'ils sont allés, je peux donner une contravention, là, SA et le bras? Non, c'est à la discrétion du policier, de la police. S'il nous connaît dans sa place, ça, souvent, nous voyons un problème. Nous capables, la loi dit ou capable de donner une contravention, de donner une fixe pénalité, ou sinon, nous capables de poursuivre la personne comme le filier normal. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ou faire lire, ou prendre l'enquête, et puis avoir lire la cour. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, nous, ça et le bras, ce que ça veut dire une fixe pénalité? Une fixe pénalité notice, c'est une contravention que tu donnes un papier. Qu'on prend sur ben coordonnées, on prend sur ben nom, tout ça. Et là-dedans, dans sa papier-là, il dit comme ça, il besoin de payer un amende qui, d'après la loi, comme pour le noise regulation, là, c'est le 10 000, l'amende de 10 000 roupies. D'accord. Il besoin de payer ça, une certaine période de temps. Donc, ça dit, moi, qui peut prendre contravention, là, il besoin de signer l'eau, là? Non, il n'est pas nécessaire de signer. La personne n'a pas besoin de signer. Et s'il refuse de prendre l'ici, nous sommes capables d'envoyer ça par registre de poste. Okay. Nous avons envoyé ça à la poste et nous avons pas quitter ça à ce lost non adresse aussi. Nous avons quitter ça dans ce côté de travail aussi ou ça côté habité. D'accord. Et il y en a un délai de 21 jours pour payer ça, fixe pénalité. Donc, ça dit, est-ce qu'il est capable de choisir la police de donner l'option de choisir soit de prendre fixe pénalité ou soit c'est comme ça, les besoins respecter ça? La police peut donner ce fixe pénalité. Si l'Iban prend ce fixe pénalité, nous pouvons envoyer ce fixe pénalité. D'accord. Vous préférez à la cour. Non, le choix, c'est la discrétion de nos policiers. Ils disent s'ils ont envie d'une fixe pénalité ou soit les cas poursuivre autrement, d'après la loi. D'accord. Ça, c'est concernant noise. Ça, on dit ben noise dans un bâtiment, dans un bungalow. Oui. Il y en a aussi ben noise, ben voiture qui peut faire, qui tourne en discothèque, disco mobile. Le ben parking, la plage, c'est tout, nous gagnons ça. Ou sinon, il y a ben l'auto qui passait. Et je modifie la voiture pour mettre ben baffle. Ouais, ben système, ben sound system. Et vraiment, ça casse l'oreille. Ouais. Ouais, c'est dérangeant. Alors, la loi là, d'ailleurs, comme ça, la loi de noise regulation là, personne n'a pas le droit de faire ta passe dans un premises, ça veut dire dans la cour, ou un bâtiment, dans un bâtiment ou dans un véhicule. Alors, la personne qui peut servir sa véhicule là, qui peut faire ta passe, lui passible à gagner un amende. Voilà, donc ça c'est par rapport à une infraction due au bruit. Hein, donc, le public ici à Maurice commette. Donc, c'est quelque chose qui nous bizarre connaît et nous rappelle, téléspectateurs, comment le SA et le Brassin explique nous qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être nous penser, dit bon, alors que la loi, c'est la loi, oui. Nous avons respecté ça. Oui, moi, tu as envie d'ajouter une affaire. Souvent, il y a des gens qui peuvent louer la maison, ou soit je paye 7 autres maisons, ou soit bungalow à une tierce personne. Quand nous parlons, nous gagnons complainte là-bas, ça dit que qui peut faire la musique là, il pas donne ce nom, il pas donne rien. Soit il ferme la porte là, ou pas réciter à personne. Ah. Ouais. Et ça veut dire que qui peut cette la maison là, je pensais qu'ils sont à l'abri, mais si nous ne pouvons pas gagner ça, dit qui fait à part ça, la loi permet nous, c'est bien fixe pénalité, l'eau, sa propriété, sa l'emplacement là. Alors, il prend 14 jours. Il vient à 14 jours pour venir répondre nous, pour dire nous, mais ce n'était pas moi, c'était un tel qui était dans, qui était dans sa, qui t'y peut faire ta passe. D'accord. Là, il prend 21 jours encore pour le payer, pour payer ça. S'il prend sa personne qui prend, s'il prend de nous, ça non, ça du monde qu'il a dans là, la personne propriétaire, il vient le payer dans le délai de 21 jours. Sinon, il y en a 14 jours pour dire nous, qui s'en a, qui t'y dans sa la case. En tout cas, merci beaucoup, sub-inspecteur Gaëtan Lebras, pour tout ça, ben, détail qui vous paye de nous, la police de l'environnement, mais surtout, ben, la loi qui régit pour
qui nous faisait respecter hein, en tant que public. Donc, merci beaucoup. On vient répondre à tous ces questions. Là, mon pensée, nous pouvons faire une deuxième émission parce que ce qui vous explique nous là, il est vraiment important et les bons hein, qui nous connaît comment est-ce que la police de l'environnement, le travail et surtout qui banne sanctions et qui ont gain droit prend surtout pour ben des gens qui peut commettre une infraction. En tout cas, nous pouvons terminer cette émission là ici. Mais nous pour retourner, nous pouvons faire la deuxième partie de l'émission, quand nous pour expliquer un petit guide encore plus, ben différents types, parce que la liste est longue, ben différents types de contraventions, ben différents types d'infractions qui existaient à Maurice et qui nous a fait pour nous améliorer la qualité de vie de ben mauriciens. En tout cas, je vous remercie, sub-inspecteur Lebras. Nous retrouvons pour une deuxième émission. Très vite. Merci, je vous remercie. Au fait, la prochaine fois, nous avons cause ou bien offense que banning of plastics, qui est bien important aussi. Plastique, ben sac en plastique et aussi ben non-biodegradable plastic products, c'est ben produit qui n'est pas biodégradable et aussi ben véhicule fumigène. Très bien, ben, on se retrouve très vite ici sur le plateau, sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras. Je vous dis encore une fois, merci de vos présences. C'est moi qui vous remercie. Merci. À ou qui ne suivent ça l'émission là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine sur vos droits.